Yo, 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 salutations à toi, famille, en espérant que tu te portes bien. En tout cas, moi, ça va. Je vous reviens dans cette nouvelle vidéo, famille, pour vous parler nécessairement hein, de l'artiste héritier Watanabe, de son album Mi-Ange, Mi-Démon, ainsi que de l'artiste Fally Ipupa, de son album Tokos 2, carrément le 2 dans le bac. Les deux artistes ont choisi la même date pour pouvoir nous balancer leurs albums. Eh bien, family, avant d'aller beaucoup plus loin, je vous demande à tous un like, commentaire, s'il vous plaît, et partagez la vidéo si elle le mérite. Regardez-la jusque à son terme, tout simplement. Sur cette vidéo, j'émettrai tout simplement mon avis concernant ces deux albums. Eh bien, si vous attendez à une moindre polémique venant de moi, sachez que je vais vous décevoir tout simplement. L'album Mi-Ange, Mi-Démon, tout simplement moi, d'Héritier Watanabe, est un album 100% rumba. En fait, il y a un feat, bien sûr, avec Debordeaux, Linkoumpha, et ben je pense nécessairement que on pourrait juger cet album à 80%. 10%, j'ai envie de dire, rumba, puisque c'est feat. Et il y a deux ou trois titres également, un tout petit peu, avec des sonorités urbaines, avec des sonorités beaucoup plus ouvertes, j'ai envie de dire, traitées actuellement. Eh ben, écoutez, cet album a lieu et mérite d'être écouté pendant un long moment pour comprendre l'esprit, pour comprendre les émotions que l'artiste a bien voulu transmettre. Tout simplement, alors tout simplement, à sa fanbase. En ce qui concerne l'album Mi-Ange, Mi-Démon, à savoir en 24 heures, l'album a surégorgé 129 630 streams uniquement sur Spotify. Eh ben, écoutez, il y a tellement, tellement de plateformes. Moi, j'ai sélectionné simplement Spotify pour illustrer l'évolution un tout petit peu de cet album déjà. L'album regorge beaucoup, alors beaucoup, des très, très, très belles chansons. Eh ben, écoutez, de l'autre côté, Tokos 2 de Fally Ipupa, c'est un album urbain, un album ouvert, un album, comme qui dirait, international qui regorge en son sein de belles chansons aussi. J'ai envie de dire, Fally Ipupa a réalisé quelques featuring et Héritier Watanabe de même. Eh ben, écoutez, family, l'entrée des Tokos 2 de Fally Ipupa sur Spotify a pu enregistrer 1 417 385 streams déjà uniquement sur Spotify en 24 heures. Eh ben, là, je vous donne tout simplement mon avis sur ces deux albums, family. Après, c'est à vous d'apprécier, bien sûr. Rendez-vous en commentaire. N'oubliez surtout pas de réagir, de liker, c'est très important. Soutenez le travail que je fais, ça me fera énormément plaisir et je me donnerai un malin plaisir de répondre à tous vos commentaires. Il y a une certaine forme de bras de fer entre Héritier Watanabe ainsi que Fally Ipupa, de par leurs œuvres, bien sûr, de par la date également du 18 décembre dernier, la sortie de ces deux albums. Ce qui est à retenir est qu'il y a une grande différence entre ces deux albums. L'album d'Héritier Watanabe, Mi-Ange, Mi-Démon, c'est un album 100% rumba, enfin je dirais plutôt à 85% rumba, et l'album de Fally Ipupa, c'est un album 100% urbain, 100% musique ouverte, 100% musique internationale, comme on l'a dit. Eh ben, de ces faits, il n'y a pas lieu de comparaison. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer deux choses dont le caractéristique sont contraires, family. Je dis ça, je dis rien. Au niveau de vente, déjà, il y a une forte différence entre les deux, mais là n'est pas la question, family. Nous devons nous estimer heureux du fait que ces deux artistes arrivent à haranguer tel ou tel autre public. J'ai envie de dire tout simplement, dans le but hein, d'élever, de faire montre de la culture africaine, de la culture congolaise et de mieux la vendre surtout. Sur Apple Music France, Tokos 2 occupe la première place et l'album Mi-Ange, Mi-Démon occupe la troisième place. Et ben, c'est de ces dont je suis en train de parler. En lieu et place de comparer ces deux artistes, moi je vous conseillerais tout simplement de souhaiter qu'il y ait 2, 3, 4 artistes congolais, bien évidemment, évoluant au pays, mais dont la musique est exportée de la plus belle de manière déjà. Sur Apple Music, il y a une belle représentativité. J'ai tout simplement envie de dire, family, il y a Fally Ipupa et Héritier Watanabe, en quelque sorte, la musique congolaise déjà
commence à revêtir de sa plus belle robe grâce, on va dire, à ces deux artistes. Moi, je trouve qu'il n'a pas lieu de comparer Fally Ipupa et Ritier Watanabe. Pourquoi? Parce que ces deux albums sont distinctement opposés. Alors, il n'y a pas lieu de comparaison. La bonne nouvelle est que l'album d'Ritier Watanabe, Mi-Ange, Mi-Démon, se comporte très bien sur le marché de disques et dont le titre, les chansons sont merveilleusement délicieuses. Allez dénicher ça, achetez l'album, c'est important. Pareil que du côté de Fally Ipupa, déjà occuper la première place et jouir d'un fort cumul, on va dire, sur quelques plateformes de vente. Moi, je dirais plutôt c'est une victoire pour la musique congolaise. Donc, il n'y a pas lieu de polémiquer là-dessus. Tel ou tel autre artiste fait son travail de son côté et merveilleusement bien d'ailleurs. Les deux artistes ont eu besoin tout simplement, on va dire, du temps pour mieux apprêter, pour mieux préparer la bonne sauce. Que ce soit Mi-Ange, Mi-Démon, que ce soit Tokos 2, moi en tant que Congolais, n'ayant pas toujours un penchant sur ce qui est de la polémique, je consomme avec passion. Que ce soit le chanson venant de l'album d'Héritier Watanabe, que ce soit le chanson venant de l'album de Fally Ipupa. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, c'est le Congo qui gagne, family. Donc voilà, l'album Tokos 2 se comporte merveilleusement bien également sur le marché de disques, ainsi que celui d'Héritier Watanabe, Mi-Ange, Mi-Démon. Consommez ces deux albums, family. Achetez ces albums, que ce soit en physique ou en téléchargement, sur toutes les plateformes légal, j'ai envie de dire. Donc voilà, family. On remarque bien dans ces deux albums, il y a une forte évolution. Que ce soit de la part d'Héritier Watanabe, dont l'album est son deuxième carrément de sa carrière, eh ben écoutez, il n'y a qu'à remarquer avec moi la profondeur, le fait pour lui d'épuiser beaucoup plus loin dans la recherche de tel ou tel autre code family qui régisse la rumba congolaise, une rumba parfaite, sans pénombre aucune. Que ce soit du côté Fally Ipupa Family, en auditionnant cet album, je me suis rendu compte de la maîtrise et de la confirmation, puisque c'est son deuxième album urbain. Eh ben, écoutez, dans tous les cas, les deux projets qu'ont proposé nos artistes congolais sont de plus viables, sont de plus louables. Moi, personnellement, je me mets à déguster le dé sans modération et je vous invite à en faire pareil. Évitez telle ou telle autre polémique. Pourquoi? Parce que ça ne bénéficie pas à l'artiste Fally Ipupa ainsi que à l'artiste Héritier Watanabe. Soyez vrai, family, dans vos critiques et dans vos analyses. Moi, c'est Vimawete. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Eh ben, écoutez, prenez soin de vous, family. Joyeux Noël, meilleurs vœux. Et masque, distanciation sociale. Les virus existent toujours. Alors faites gaffe, préservez-vous, protégez-vous. C'est important. Portez-vous bien. Ciao.